Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est SupraWorld, et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau gameplay sur ce jeu magnifico, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, autrement dit vous connaissez normalement pour les gens qui jouent un minimum au jeu, sur SSCF, ce jeu que je trouve vraiment énorme, que je trouve vraiment cool, des Chevaliers de Zodiac, enfin en tant que grand fan en tout cas, à savoir que c'est mon manga préféré, Saint Seiya, je sais pas vous, peut-être que vous allez un peu moins l'aimer que moi, peut-être même qu'il y en a même, il y a des gens qui l'aiment encore plus que moi, je ne sais pas. Les amis, aujourd'hui, j'espère vraiment que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés, vous avez la pêche. Comme souvent, dans cette vidéo, il va y avoir beaucoup de combats, beaucoup de fights. Et d'habitude, je fais pas ça, même si je le fais de temps en temps. Là, je m'arrête en début de vidéo sur l'event Legend Bonus. Donc, comment est-ce qu'il s'appelle? Countdown and Happy New Year. Donc voilà, spécial Legend Bonus. On a déjà eu plein depuis que le jeu est sorti il y a déjà quelques années. Donc je le rappelle, le jeu il est sorti il y a maintenant environ 3 ans en version anglaise. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens qui sont sur cette vidéo ont commencé à jouer au jeu. Sinon le jeu existait déjà, mais simplement en version japonaise, voire chinoise, ben avant il y a 3 ans d'ici quoi. Donc je sais pas exactement quand ce jeu là a été créé. Si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je vais aller voir prochainement sur internet parce que ça m'intéresse comme c'est un de mes jeux préférés. Bref les amis, ici je voulais juste vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de listones à gagner à la clé. Donc si on additionne tout, ça fait, on va déjà faire 600 x 8. 600 x 8 ça fait 4800. Bah oui, donc 6 x 8 ça fait 48. Donc voilà, vous rajoutez 2 zéros, voilà. Et 3 fois 2021, ça fait 6063. Donc en tout, et je calcule vraiment en direct là. En tout, on a 4800 plus 6063. Ce qui nous fait 10 000. En tout, il y a précisément en tout un total de 10863 Holystones à gagner. Si vous vous connectez tout le temps pour gagner tous les jours les récompenses de cet Event Legend Bonus. Donc voilà, c'est un peu pour souligner le fait que c'est vraiment important de venir tous les jours pour les gens qui veulent économiser, notamment pour les bannières de la fin d'année. Donc ça dépend vraiment de quand vous regardez cette vidéo aussi. Et ça se met, vous la regardez déjà en 2021, donc c'est déjà un peu passé, les fêtes et tout ça. Mais là, à l'heure où je la tourne, pour être précis, on est l'après-midi du lundi 28 décembre 2020. Donc voilà, il y a toujours une partie de la vidéo où je parle pour le présent, et une autre partie où voilà, je parle un peu de manière plus globale. Mais voilà, je préférais vous le dire. Bref les amis, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, comme vous l'avez vu au titre. D'habitude on se consacre au mode histoire, mais il y a de temps à autre, j'aime bien faire des vidéos spéciales. Dans le genre vidéo spéciale multi-invocation, même si j'en fais pas si souvent que ça. Des vidéos step-up, ben, c'est à peu près ce que je viens de dire, donc c'est compris de les vidéos multi-invocation. Et ici c'est une vidéo comprise de la rubrique des events Legend... Mais non, attendez, je ne fais que lire l'écran là. Parce que vous voyez, il y a event dans le titre là. Donc c'était quoi déjà? Le Cosmic Event, voilà. The New Year Lunar, un truc comme ça, je suis même plus sûr. Mais voilà, vous voyez, vous avez vu le titre de la vidéo. Si vous avez cliqué, ça veut dire que vous êtes un minimum intéressé. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'espère que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas, si elle vous intéresse, à rester jusqu'à la fin et à me donner votre avis ensuite. Et voilà, les likes, etc., ça fait toujours plaisir. Enfin bref, je vais pas commencer à trop m'emballer dès le début de cette vidéo. Et on va passer presque directement aux choses sérieuses. Je dis presque parce que d'abord on va faire les petites modalités de début de vidéo, comme les invocations gratis, les Athénas Miracles et tout ça, je me dis que c'est fun. Enfin, vous savez. Voilà, petite Athénas Miracle. Alors, est-ce que c'est la période de Game x3? Non, pas du tout. La période de Game x3, je sais pas, tous les combien de temps elle arrive. Je pense que c'est un peu aléatoire, des fois on attend 2 mois, elle est pas là pendant 2 mois. Même si ça se présente pas souvent, c'est ce schéma-là. En général, c'est tous les 3 semaines, 1 mois, je dirais. Enfin, ça c'est mon ressenti. Pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de regarder mes vidéos sur ce jeu-ci, figurez-vous qu'il y a plein de fois où je donne simplement mon avis. Je veux dire, je dis comme ça, je trouve, c'est mon avis, je pense, etc. Et si jamais vous êtes youtubeur, faire attention à ça, parce que des fois, les gens n'apprécient pas quand on dit les choses comme si c'était des réalités. Il faut dire les choses comme si c'était notre propre avis, c'est ça la nuance. Mais j'ai remarqué, les amis, que de la vidéo que j'ai sortie il y a presque 72 heures d'ici, à l'heure où je parle, donc il y a 2 jours et demi pour être précis, j'avais pas dévalisé la boutique avec vous. Et j'étais pas du tout allé retourner dans la boutique depuis la dernière mise à jour du jeu. Vous voyez, la mise à jour des fêtes, de fin d'année. Et j'avais pas vu, j'ai vu en vidéo YouTube, la Limited Shop. Limited, non, ça se prononce pas comme ça, Limited Shop. Regardez la Cosmic Shop.
Je n'ai strictement rien fait, j'ai fait aucun niveau pour l'instant dans le Cosmic Event, mais il y en a quand même qui me sont donnés gratuitement. Vous savez pourquoi? C'est quand on a fait le mode histoire. C'est que quand j'ai regardé mes vidéos par après sur YouTube, parce que ouais, en tant que YouTubeur, ça m'arrive de regarder ma propre vidéo pour un peu voir comment je parlais tout ça. Mais j'ai remarqué voilà, que quand faisant les niveaux du mode histoire, j'en avais gagné, je m'étais même pas rendu compte. Ah voilà, la Limited Shop, elle est très très chère. Et je préfère garder ma Holy Stone pour les multi-invocations. Vous faites ce que vous voulez si vous avez des Holy Stones à foison, quoi. Si vous en avez énormément, plus de 50 000, voire plus de 100 000 peut-être. Faites ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas jamais dépenser ici, en tout cas, pas avant longtemps. Ah oui, j'ai beaucoup d'Arena Coin. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Ben, plus les objets, parce que les cosmos, ça peut être très intéressant des fois. Mais si c'est des personnages qui c'est des gros trash, ben désolé, mais là, ça m'intéresse beaucoup moins. Ah, mais ce truc-là, c'est assez cher quand même. Ça se met, on aura assez pour acheter tous les objets. Ah non, il manque tout pile 29 médailles pour pouvoir m'acheter la Pegasus Météorite x3. Bon, c'est pas grave. Bah écoutez, maintenant on va aller faire nos simple invocation. Vous connaissez normalement, pour les gens qui ont l'habitude de regarder mes gameplays. Et ça fait un moment maintenant que je le marque au début de mes vidéos. Mais vous pouvez vraiment me partager vos vidéos sur ce jeu. Toutefois, si elles sont en français, bien sûr, sinon je comprends rien. Ce jeu, voilà, comme je l'ai dit, c'est un de mes préférés, donc... Vos vidéos, ça vous fera au moins une vue en plus, et qui sait, comme j'aime vraiment bien ce jeu, un abonnement ou un like en plus, voilà. Faut pas être timide, quoi. Par contre, si c'est des vidéos sur Fortnite ou des jeux de guerre, là, ça m'intéresse moins. À part GTA ou Gangstar Vegas, je sais pas si vous connaissez. GTA, vous connaissez sûrement, mais Gangstar Vegas, pour ceux qui savent pas... C'est un mini GTA si vous voulez, la carte est beaucoup plus petite, il y a moins de véhicules. Enfin c'est un GTA Junior, voilà, qui fait les choses. Il est beaucoup moins bien mais je le trouve quand même très cool. Je dis ça mais ça fait très longtemps que j'ai pu jouer. Et oui, ce personnage-ci je l'avais gagné il y a pas très longtemps il me semble. Quand il est sorti il était assez bon. Je dis pas qu'il est trash mais il est moyen quoi, même très moyen. Écoutez, le wifi qui commençait à prendre du temps à charger. Ah ouais, ça on l'avait déjà dit la dernière vidéo pour les gens qui étaient venus. Franchement, ça coûte un peu cher pour moi. Et même si le bonus, il est assez bon. C'est 35 limites pyroxine en version multicolore, c'est vraiment bien ça. Mais bon, 10 000 Holy Stones, c'est totalement hors de mes moyens. Je pourrais éventuellement économiser. Quoique, j'aurais même pas encore le temps. Regardez, step. En fait, cette vidéo aussi était pas faite pour ça. On va faire, tant que c'est toujours le début de vidéo, pour bien la commencer. Petite multi-invocation sur cette Holy Stone Gacha. Et j'aimerais bien vous remercier parce que la dernière vidéo que j'ai sortie, donc l'épisode 381, c'est-à-dire le gameplay numéro 138 sur ce jeu, enfin le précédent, ah, le précédent, je m'attendais même pas, le précédent à l'heure actuelle, il a fait environ 50 vues, donc pour les gens qui savent pas, bah, c'est relativement beaucoup comparé à ce que je fais. Comme nombre de vues en général, je suis un petit youtubeur, donc voilà, je suis vraiment content. Merci pour les gens qui ont mis des likes, qui ont commenté, ça fait plaisir. Donc ce Dark Lord Hades RCE, donc j'ai pas un très bon accent d'anglais, Dark Lord. Donc voilà, ce personnage-là, j'avais très envie de l'obtenir quand il a subi up de ses stats. Il y a pas loin d'un an d'ici, maintenant, il était, à cette époque-là, c'était vraiment un des meilleurs du jeu, il était très puissant. Mais voilà, maintenant, il s'est fait dépasser par des tas d'autres personnages. Bah, tout au long de l'année 2020, donc je suis toujours content de l'obtenir, mais j'aurais été beaucoup plus content avant encore. Mais c'est cool, non seulement c'est gratuit, mais en plus j'obtiens un personnage. Un personnage qui est toujours correct actuellement, je pense, mais... Qui n'est plus dans la méta actuelle, clairement. Bon, là j'ai pas assez de tickets. Là ça m'intéresse pas trop ces trucs-là, parce que vous voyez, ça m'intéresse pas de gagner des médailles. Moi je préfère gagner des vrais objets, entre guillemets, ou des fragments de personnages, ou limite des vrais personnages. Mais bon, c'est toujours très utile. Et là, ça fait un petit moment aussi qu'on a plus fait de multi-invocation. Donc on se fait ça, les amis. Puis on part directement dans l'event. Le Cosmic New Year, je sais pas quoi. Je sais pas exactement comment il s'appelle. Bah voilà, c'est toujours ça de prix. Deux petites pièces d'argent, quelques petits objets. Et j'ai une idée de vidéo, les amis, que je vais faire dans pas très longtemps. Je le ferai dans un mois au maximum. La vidéo sera précisément intitulée « Je vous dévoile ma box ». Donc d'ici là, je l'améliorerai beaucoup plus. J'aurai encore d'autres personnages. Mais je me dis que ça peut être vraiment fun, une vidéo pas trop longue. Même pas un épisode bonus ni rien, mais une vidéo qui peut être bien, donc... Si vous avez fait des vidéos de ce genre-là, de présentation de votre box, n'hésitez pas à me les partager. Et voilà, il y a l'espace commentaire pour me dire quelles sont vos équipes les plus puissantes. Enfin voilà, on verra ça quand la vidéo aura lieu. Mais écoutez, on file directement pour cet event cosmique, je sais plus comment il s'appelle, là. Ok, donc, SP Quest.
Pour les gens qui n'auront pas l'habitude de regarder mes vidéos sur ce jeu, vous vous dites peut-être que je prends beaucoup de temps par rapport aux vidéos que vous avez l'habitude de voir, peut-être pour vraiment rentrer dans le sujet principal des vidéos, quoi, de la vidéo ici. Voilà, j'aime bien prendre contact avec vous au début de vidéo, comme je vous le dis. Ouais, je me dis que c'est bien. Et voilà, j'ai déjà fait quelques progrès, parce qu'avant je prenais encore plus de temps pour me lancer dans le sujet. Donc voilà, c'est ici. New Year's Holiday Comeback. New Year's Holiday Comeback. Attendez, en général, il y a la partie 1 puis la partie 2, mais là, il y a deux parties 1, voire trois parties 1. Mais regardez, franchement. Franchement, je m'attendais pas. Mais c'est vrai que je me souviens, j'avais regardé une vidéo YouTube et on disait vraiment qu'il y avait plusieurs personnages à gagner. Bah, par exemple, celui-ci est presque trash, voire totalement trash, Takumaru Tatsumi. Mais au fond, ils ont tous leur utilité. J'ai vu aussi le Beat Quest qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais c'est bien que je fasse une vidéo aujourd'hui sur les Cosmic Event War of the Grunts. Bah, voilà, donc on va tester, on va un peu tous les tester. Il n'y en a pas 150, il n'y en a que 4. Je pense qu'on va faire un ou deux niveaux de chaque. Écoutez, bah... On va chaque fois tester le niveau 95 de tous les trucs. Voilà. Parce qu'au dessus de 95, c'est le God 2. Là, c'est le God 1. Au-dessus, c'est le God 2. Et le God 2, je me fais tout le temps écraser à coup sûr. Donc voilà, on va tester, les amis. Ouais, les ennemis, j'ai jamais eu l'habitude de combattre ces ennemis-là. Mais je suis pas encore dans le chapitre. Vraiment, j'ai commencé le chapitre d'Hadès. Pour les gens qui l'auraient pas encore compris. Mais je suis pas encore dans le monde souterrain. J'ai toujours au début de la bataille, quoi. C'est toujours au sanctuaire. Et je suppose que dans le monde souterrain, il y a des adversaires comme ça. Donc, What Fool Undead. Donc, c'est les morts, quoi, qui nous attaquent. Avec un petit Cassius. Et franchement, on l'associe aux morts, là. War of the Grunts. Donc, ça va, elle est. Les 4 Cosmic Events ont des noms différents, forcément, comme c'est un personnage différent. Enfin bref, là je commence un peu à trop parler, les amis, on va faire ce niveau sans plus attendre. Ça fait déjà 12 minutes là quand même. Donc c'est pas comme les Beats Quest. Vous voyez, les Beats Quest, dans les 4 premiers niveaux, donc c'est les niveaux recommandés de difficulté 10, au niveau de recommandé difficulté 70, eh ben, il n'y a qu'une partie au combat avec un seul adversaire. En général, c'est l'adversaire mis en vedette sur la Blitz Quest. Mais là, c'est pas un Blitz Quest et on fait le niveau de 95 et on a directement 3 niveaux. En tout cas, on est entre guillemets beaucoup trop fort, quoi. On les surpasse totalement. En plus, en tout cas, c'est mon avis, je trouve que mon équipe est relativement bonne. N'hésitez pas à me donner votre avis. En tout cas, sur Aikido, c'est un très bon personnage pour l'instant. Ainsi que sur Aikido CE, même s'il est pas vraiment. Il est du même type, mais il est un peu moins puissant en termes de force physique. Bah voilà, déjà une chose de faite. Pendant un moment, j'ai cru que ça allait totalement bugger. Regardez l'endroit au combat, c'est l'endroit vraiment qui est où il y a. L'endroit qui est au tout début du mode histoire, dans les tout premiers chapitres. Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait peut-être 2-3 ans que vous l'avez terminé, si vous avez gardé la même part depuis le début, que je vais apparaître en anglais. Ça fait vraiment longtemps. Oh, petit perfect, ça fait plaisir. Ah oui, on a 5000 tickets d'un seul coup, c'est bien ça. C'est vraiment beaucoup comparé à d'habitude, j'ai l'impression. Je dis ça, mais ça fait longtemps que j'ai plus fait ce type d'event. Ok, donc on va passer au deuxième Cosmic Event. Et regardez les amis, un élément que je n'avais pas trop vu. Il y a un event pour l'instant, on va pas le tenter aujourd'hui, vraiment, qui à mon sens est très intéressant. Le Golden Treasure Hall, comme vous pouvez le voir, c'est une seule fois par jour. Et voilà, même pour les gens qui sont entre guillemets très faibles, on va dire pour les novices qui regardent cette vidéo, ben voilà, c'est vous ça. Et voilà, c'est le niveau recommandé E, donc même si vous avez des personnages trash, pas du tout améliorés, vous pouvez quand même réussir. Il y a des objets très intéressants à gagner, comme on peut voir, des Nectar Drink, des Fantasy Tickets... des limites pyroxine P6 et des Godquain aussi, voilà, comme ça c'est dit. Ok, donc le premier avec Tokumaru Tatsumi qui est mis en vedette, on l'a déjà fait. Ici c'est un personnage que je n'ai pas, le Seiya là, Light of Pegasus, s'appelle pas comme ça, donc c'est... Il s'appelle comment déjà ce personnage là, donc c'est Sagittarius Omega Seiya, un truc comme ça. Regarde, j'ai pas regardé énormément Sensei Omega, mais j'aime vraiment bien. Je regarde des extraits de temps en temps, mais il faudrait que je me regarde toute la série en français. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez déjà regardé en français de Senseiya. Donc, ici encore, on va tenter le niveau de 95. Je pense qu'ici, les adversaires sont un peu plus puissants dans l'ensemble.
Ils sont pas forcément plus de la méta actuelle. C'est même tous des trash. Surtout le petit soldat là. Mais voilà. Voilà, au moins il y a plus de suspense. Que pendant le dernier niveau, ils sont plus puissants. On n'est pas sûr à 100% qu'on va gagner. Cosmo sauf Koga. Mais si je rigole, on est sûr à 100% qu'on va gagner. Et on va les écraser maintenant. Ah, on peut voir que le paysage a vraiment changé. En même temps, quand les personnages changent radicalement, c'est plus trop le même contexte. Chaque personnage est lié à un contexte, j'imagine, dans les events. Par exemple, vous allez combattre Thanatos en version RCE. À Elysion, normalement. Mais les amis, maintenant que j'y repense, peut-être que vous êtes fait la remarque aussi. Franchement, d'après toutes les mises à jour, toutes les nombreuses mises à jour qu'il y a eu sur ce jeu, depuis qu'on le connaît, depuis qu'on l'a installé, c'est vraiment décevant que les temps de chargement soient toujours aussi longs. Peut-être que le concepteur du jeu, ceux qui gèrent le jeu, ne peuvent pas vraiment réduire le temps de chargement, mais ce sera un gros défaut en tout cas. C'est un des plus gros défauts du jeu à mon sens, même si c'est un super jeu qui a plein de qualités. Mais ça devrait vraiment partir, parce que vous voyez pas pendant que je tourne mes vidéos. C'est peut-être pas comme ça pour vous, mais à chaque fois au moins 30 secondes au grand minimum pour qu'un combat commence. Vous voyez, un chargement très très long. Ah, le majestueux Mew du Papillon, qui est actuellement mon personnage préféré. Maintenant que j'en reparle, mon personnage préféré c'est Pegasus Godclaw Seiya en version ACE. Donc voilà, je vous mets une petite image à l'écran. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est ou même quels sont vos personnages préférés. Ça fait toujours plaisir de partager des choses comme ça. Alors, où est-ce qu'on en était, nous? Bah oui, je vous dis, j'avais même pas pris conscience que le Blitz Quest ici avait commencé. Je le voyais du coin de l'œil, mais j'en prenais pas trop conscience. Comme quoi, des fois, on peut voir sans regarder. Donc, deux nouveaux personnages qui sont sûrement très puissants. Alolia ACE en version Twin Rod et Aioros ACE en version Sword. Donc, bien sûr, c'est des Gold Saints en version Godclaws, mais en plus en version ACE et en plus avec une arme. Très puissant, quoi. Ceux-là, ils vont clairement être dans la méta actuelle pour me faire confiance. Donc, je sais pas si on peut déjà les gagner actuellement. Peut-être qu'il va y avoir une step-up dessus. On va aller voir en fait vidéo dans la rubrique, fait dans la partie du jeu Gacha. Ok, donc on a fait à peu près la moitié. Ah bah écoutez, c'est pas vraiment le même format de ce qu'on vient de faire. Ouais, on a déjà fait deux Cosmic Events ici. Mais écoutez, celui-ci, c'est pas du tout le même format. Ok, donc on va tester, mais je vais pas vous montrer la scène d'histoire, je suppose que ça vous intéresse pas trop. Mais si, je vous la montre quand même, on sait jamais que ça en intéresse certains d'entre vous. Dans le cas contraire, si on a certains que ça intéresse pas, mais n'hésitez pas à passer cette partie-ci de la vidéo. Pegasus Seiya, what is this? A new palace appears out of nowhere. What should we do, Shiryu? Pour les gens qui n'ont pas l'habitude, faites pas trop attention à mon accent d'anglais. Des fois, il crée un peu, je sais. Dragon Shiryu, no matter what palace appears, we have to keep on moving forward. Be careful. If a new palace has appeared, then that means that a new gold saint is waiting inside. Look, Seiya, there is a gold saint inside. Pegasus Seiya, I know what does this. On va leur faire ça quand même. I know who that is. I couldn't be. Of you choose China. Donc en version dorée, elle est jamais apparue dans aucun manga de Saint Seiya, que ce soit en version papier ou animé. Peut-être dans des fan animations que je ne connais pas, mais bon. Seiya, so you did show up. Pegasus Seiya, China, what are you doing here? Officious China, do I have to tell you? There's only one reason I'd be here. Pegasus Seiya, what this? This new cosmos I sense in China. Ouais, donc China, elle est comme un chevalier d'argent, elle a quand même un cosmos assez développé. Pegasus Seiya, could it be? Grr, the Pope must have used the Demon Pope fist on China. If you choose China, don't get any wrong ideas. What you can figure out by looking at this glowing golden clothes. Bon, à la fin, mon accent commence à un peu être meilleur. Comme quoi, on s'habitue. Pegasus Seiya, Shiryu, leave this to me. Ça dure longtemps comme l'histoire, hein. Dragon Shiryu, gotcha, I'll take Shiryu and go on ahead. Écoutez, c'est la première fois que ça prend autant de temps, les discussions. Pegasus Seiya, China. Donc avant ils étaient déjà étonnés et ils se réétonnent encore.
What do you think you're doing? Of you choose China. Et China, franchement, je sais pas votre avis, les amis, mais c'est vraiment une belle femme. Hein. Moi, j'ai franchement le joli visage là. Sans le masque, ça va bien, je trouve. En même temps, dans les mangas, que l'auteur dessine volontairement une femme moche dans les personnages féminins principaux, c'est un peu étonnant, quoi. Y a pas ça en général. Donc, of you choose China. Female saints follow a code. If you see who face unmasked, then we have to make a choice. Je savais pas que ça allait durer aussi longtemps, les amis. We must either kill you or love you forever. On se souvient de l'animé pour les fans, du moins, la partie où elle avait dit soit tu m'aimes ou alors je te tue. Seiya, you're looking at my face. Pegasus Seiya, China. Bah écoutez, c'est trop long là, on va passer là, j'en ai marre là. Voilà, franchement, je savais pas que ça allait durer aussi longtemps. On a entre guillemets perdu 3 minutes, mais rassurez-vous, la vidéo n'est pas trop longue non plus. Ben voilà, on va quand même tenter un niveau, sinon ce serait un peu ridicule de regarder l'histoire sans faire de niveau. Mais juste un seul quoi, après on prendra le quatrième et dernier Cosmic Event. Ok, donc là on a même pas vraiment utilisé de charge skill, on les a totalement écrasés. En même temps c'est niveau difficulté recommandé 35 et on est niveau 108. Même certains personnages sont niveau 110, 111, donc aucun problème. J'utilise quand même mes charges skill, même si en soi ça sert à rien. Attention, il va avoir l'ennemi principal. Regardez-moi ça. Of you choose China en version Gold Close. C'est vraiment un personnage de fan animation, j'ai l'impression. Hein. Ou du moins, c'est les créateurs du jeu qui l'ont juste mis pour le fun, quoi. À l'époque, il était extrêmement puissant, mais là, il est assez correct. Mais voilà, il est plus trop dans la méta actuelle. Encore un perfect. Par contre, ici, on gagne que 50 tickets. Attendez, c'est très faible, ça. Mais c'est vrai qu'on est pas vraiment... Voilà, on est très bas par rapport à d'habitude. Attendez, qu'est-ce que je voulais dire, moi? Ouais, on est très bas les niveaux de difficulté comparé à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc voilà. Ok, donc on va se consacrer au quatrième et dernier Cosmic Event. En tout cas les amis, j'espère que jusqu'à maintenant la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like comme on dit. Toujours un plaisir pour les abonnés en tout cas de nous vous avoir depuis longtemps avec nous. Ok, donc la vidéo dure déjà depuis 23 minutes, quelque chose comme ça. Rassurez-vous, normalement elle va pas durer la demi-heure. Ok, donc là y a pas de mode histoire, tant mieux. Directement tenter ce niveau aussi. Current controlling Marina General, la difficulté God Hub, bref. Donc c'est le contrôle actuel. Le général des mers. Ah oui, le truc, je m'attendais pas. Bon, les adversaires, à part celui-ci, ils sont nuls les autres. Sinon, celui-ci, je l'ai pas encore. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez réussi à l'obtenir d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai celui-ci qui est légèrement supérieur, d'après moi. Bon, voilà, celui-ci fait quand même du beau travail, je trouve. Ok, donc on va tenter ce dernier niveau de la vidéo. Let's go! Vous voyez, là, on est de retour dans l'Empire de Poséidon. Ah oui, ça a été très vite, là. Et c'est assez joli comme ça. On est vraiment de retour dans l'Empire de Poséidon. On s'en souvient. Vous avez quelques souvenirs pour les gens qui sont abonnés depuis au moins qu'on a fait les chapitres. C'est la deuxième partie du mode histoire. Poséidon, quoi. Ça a quand même duré 6 chapitres, un truc dans le genre. Il y a eu des tas et des tas de niveaux dessus, au moins une centaine, je pense. Et voilà, on les a fait ensemble en mode histoire. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là si vous êtes intéressé par l'Empire de Poséidon, les Générales des Mers et tout ça. Il y a vraiment beaucoup de vidéos dessus, quoi. Bon allez les amis, cette vidéo-ci touche presque à sa fin, mais avant tout, on va aller voir si on peut pas faire une multi-évocation intéressante ou l'autre. Et je le rappelle, assez bientôt, parce que l'événement va pas durer très longtemps quand même, il y aura une vidéo spéciale sur le Beats Quest consacrée aux deux frères, quoi, en version ACE. Assez intéressant, moi je dis. Mais regardez, il y a vraiment cet événement-ci. C'est un de mes préférés de tous les événements de l'SP Quest. Player EXP Quest en version EX. Je vous jure, peut-être qu'il y en a certains qui l'ont pas encore remarqué, mais on gagne littéralement 13 000 points d'expérience de joueur en faisant un seul niveau. Et ça m'est déjà arrivé de faire des niveaux 10 fois d'affilée. Mais non seulement c'est débloqué qu'assez rarement, mais en plus, les tickets, on les a très difficilement. Je sais pas si vous avez des infos, mais ce serait cool que ça se débloque. Je pourrais monter beaucoup plus vite mon niveau de joueur, parce que là... Limite, je passe un niveau de joueur tous les mois, quoi. Ça devient très très lent. Ok, donc, gacha.
Tant qu'à faire, comme c'est gratuit pour faire durer le suspense, on va se faire une petite dernière dans cette vidéo Coin Gacha Simple Invocation. Bon voilà, on s'en fout totalement. Enfin, au fond, ça a comme une utilité, mais pour améliorer les personnages de manière très basique, et comme j'en ai déjà plein. Donc ça, c'est un peu trop cher. Oui, regardez, j'avais pas du tout remarqué, mais comme c'est la fête de l'année, et en même temps la fête du mois de décembre 2020, elle a fait tous les mois depuis longtemps sur le jeu, il y a Zodiac Fest. Et Zodiac Fest très intéressant justement sur les deux frères. Donc ce qu'on va faire bientôt les amis, non seulement on invoquera sur le Zodiac Fest, donc du coup ce qui veut dire qu'on va, je vais économiser de Mazoli Stone quoi. Pas de multi-invocation. Enfin pas celle que vous espérez avec le Mazoli Stone qui coûtait 3000. Donc voilà, très bientôt les amis, il y aura le Beats Quest et le Zodiac Fest de cette fin de mois, dans 3 jours, un truc comme ça. Donc voilà, là c'est pas très fun, mais c'est quand même mieux de faire une multi-invocation que rien du tout. Et ça, ça faisait longtemps que je les ai plus fait, les Soul Invocation. Moi ça s'appelle pas trop comme ça, mais voilà, vous avez compris. Voilà, bah écoutez les amis, là on est à pas loin de 27 minutes de vidéo. Donc on va se dire tout doucement à la prochaine. J'espère vraiment que vous avez aimé ce 139e gameplay de Senseiya Cosmo Fantasy. Jeu magnifique, d'après moi en tout cas. Voilà, c'était Supra World. Continuez de profiter de la vie et de bien vous porter. Et nous on va se dire ciao pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique quoi. Allez, bye bye.